Kimia na motema na ngayo ngayo wapi bato ya mayele bakolomboka baye babanda makambo baya kutala bisika nzambe akomi singa yo oye face anga ba mauvais souvenir. Et c'est moi bunga qui est au guili soussoué. Nakanisa qui est au limabe. Zoko tambou singa na mai. Aya. Oye, vas-y, amaba, mauvais souvenir. Et c'est moi bunga qui est au guili soussoué. Nakanisa qui est au limoninga mabe. Zoko sale linga bula. Nandimi, come on. Nandi miyoko tango na lembi tango na lembi nandi mi oyo na ko kite oyo na ko encore nandi mi yesu ko sala ye tango nandi mi tango makasi esilinga ye. Oyo na ko kite oyo na ko kite eleki ngama ele esali ngako banga ngana kele ko papi na zongi na liziba esika na zwaka makasi. Mesikana zoka ya sika Kanga e kuke ya sa Tana e Nabomo inanga Etelema Etelema Nalonga Nalonga e Zambe ya lole Nalonga e Salama nalonga Salama nalonga. Est-ce que je peux chanter avec l'église? Zambe ya lole. Yaya salanga na longa e salanga na longa ah sambe ya longa monte encore na longa yaya salaka bika moye ah asala bika mo lelo ika mo yaya kweza goliate goliato yo akweya e. Yaya sambusa penina e Zambe ya lole Zambe ya lole Yawe pesa nga Samuele Napoko aleluya ah. Oninga nanga Tata monyosa Yemba na yo Zambe ya motema e awanga awe Wemba bapota ya motema e. Il est celui qui cicatrise le plaie du cœur. Alléluia nazala ki Yesu e na pasi yotikaki Vai na zala kikati Rabra santa la mana la basse. Alléluia. Seigneur, reconnaissant que nous sommes, nous te disons merci. Seigneur, tu savais que ce soir, je vais me tenir pour parler de ta part. Seigneur, je te laisse la place, que je sois un simple canal par lequel tu vas passer. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche, Seigneur, que je ne puisse pas parler moi-même, mais c'est toi qui parles au travers de moi. J'aimerais qu'une personne ce soir puisse être bénie au travers de ta parole. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je sais que ta parole guérit. Je sais que ta parole crée. Je sais que ta parole ressuscite. Je sais que ta parole donne la vie. Je prie que ta parole change l'histoire de la vie d'une personne ce soir. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole.
Je soumets tout esprit à l'obéissance de ta parole. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, que cela soumet à ton nom, au nom de Jésus. Que nous t'avons ainsi prié, tous ensemble en disant Amen trois fois. Come on. Amen. Amen. Acclame bien, acclame encore, acclame encore. Que Dieu nous bénisse. Avant que nous puissions reprendre nos places, j'aimerais qu'on puisse lire directement notre verset de base, 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19, le verset premier. Je lis la parole de l'Éternel. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que le Dieu me traite dans toute sa rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un gêné et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur plus que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un gêné. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Verset 6e. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. C'est notre troisième jour de ce séminaire. Depuis, les dimanches plus tôt, on était bénis par les révérends. Eric et Bill nous avaient tellement bénis. Le lundi aussi, on était fortement bénis par le berger Samuel qui nous avait parlé un thème intitulé « Les secours ». Hier, on était fortement bénis par l'évangéliste Rodrigue. Il nous avait parlé un thème qu'il avait intitulé « La dépression ». Bien-aimés, ce n'est pas du tout facile de prêcher devant les gens qui prêchent déjà. Ce n'est pas du tout facile de prêcher devant mes aînés dans la foi. Mais je sais que au travers la grâce de Dieu, je veux me débattre pour que tu puisses recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel. Notre grand thème qu'on parle dans ces séminaires, c'est « Car le chemin est long ».« Car le chemin est long », c'est un thème qui est tiré dans le livre, là où nous venons de lire, 1 Roi chapitre 19, le verset 1er jusqu'au 8e verset. C'est l'ange qui était à Paris devant Élie pour parler, pour dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Ce soir, j'aimerais partager avec nous un sous-thème que je l'ai intitulé « Cache-toi pour être exposé ». Mais avant tout, je dois faire d'abord un pas en arrière pour reculer. Je sais que tu as déjà qui est Élie. Merci beaucoup, Papa Onésime. Je vais me débattre. Nous savons bien qui est Élie. Élie, selon la Bible, Élie, c'est l'un des habitants des Galates. Élie était aussi un prophète majeur. Lorsqu'on parle du prophète majeur, on fait allusion du grand prophète. Et tant qu'il met aucune personne, si un enfant a moins de 18 ans, il est un mineur. Mais s'il atteint 18 ans passés, là, il devient un majeur. De la même avec Élie. Élie, il était un prophète majeur, qui veut dire un grand prophète. Exemple comme prophète Ézéchiel, comme prophète Jérémie, comme prophète Ésaïe. Ils étaient des grands prophètes, des prophètes majeurs, de la même avec Élie. Élie, c'est aussi le type du Christ
Pourquoi j'ai dit Élie, il est le type du Christ? Parce que Élie, tout au long de son parcours, il a vécu des choses qui sont un peu concordantes avec ce que Jésus a vécu. Tout au long de son parcours, il a marché, il a rencontré, il a croisé des choses que Jésus aussi a vécu. Comme Élie a fait 40 jours et 40 nuits de marche dans le désert. Mais Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est pourquoi j'ai dit Élie, c'est le type de Christ. Élie, il est le type de Christ aussi par rapport lorsque Jézabel a fait sortir des paroles. Élie a été fatigué. Élie, Élie a été fatigué d'écouter les paroles que Jézabel avait fait sortir. Élie avait peur. Élie a dit, maintenant assez. Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas plus que mes pères. De la même avec Jésus, lorsque il partait pour aller à Gethsémané, Jésus sentait des angoisses, des stress. Il a dit à ses disciples, restez ici, veillez et priez. Lorsqu'il était parti prier, la Bible dit, Jésus pria Dieu son Père et dit, si tu peux éloigner cette coupe devant moi. Élie a demandé la mort. Jésus aussi avait peur. Pourquoi Élie avait demandé la mort? C'est du point de vue charnel, du point de vue le corps. La chair est faible, tout à fait normal. C'est la même chose qu'a fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à ses disciples, allez lui demander si c'est lui ou bien nous allons entendre encore l'autre. Lorsque le disciple fit partie chez lui, il a dit aux disciples des gens, allez lui dire ce que vous avez vu. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient, les sourds entendent. C'est ça Élie, c'est ça cet homme qu'on appelle prophète Élie. Ce que nous pouvons retenir par rapport à la vie d'Élie. Élie est celui qui n'a pas vu la mort. Élie est comme Enoch. Enoch a été enlevé, Élie aussi était enlevé. Élie est celui qui a fait des grands miracles. Une personne qui s'est mise debout et par là, le ciel le fit fermer pendant 3 ans et 6 mois. Élie est celui qui a prié l'Éternel et l'Éternel a envoyé le feu consumant l'Holocauste, consumant les pierres, consumant les bois et l'eau qui était aux fosses. C'est Élie qui l'a fait. Élie a ressuscité un jeune homme, un jeune garçon. Élie a fait des miracles chez la veuve de Sarepta, là où il y avait la famine. Mais Élie a fait que farine et botte. C'est ça Élie. Maintenant, la question que je me suis posée, comment un tel homme, où il a sali ma camomine, où il a sali un grand parcours comme ça, peut être abattu, peut demander la mort à cause d'une seule parole d'une femme? Élie, c'est lui qui a fait des miracles. Élie, c'est lui qui a opéré de grandes choses. Élie, c'est lui qui avait même la capacité de ressusciter les morts. Mais devant Jézabel, Élie a été affaibli. Élie commença à demander la mort. La question que je me suis posée, c'est ça. Pourquoi ange était venu dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Ange est venu. Il a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Pourquoi seulement ange avait fait sortir cette phrase? J'ai vite compris que cette phrase que ange avait fait sortir, cette phrase était une phrase de réconforter Élie. Était une phrase de donner l'espoir à Élie. Était une phrase de fortifier Élie. C'est de la même avec ce que Dieu avait dit avec Josué. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu était censé de dire à Josué? Josué, il avait perdu l'espoir parce qu'il voyait Moïse, un Dieu devant lui. C'est lui qui parle avec Dieu face à face. C'est lui qui a monté 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Lorsqu'il fit descendre, la peau de son figure rayonnait jusqu'au point où les enfants d'Israël ne peuvent pas regarder Moïse. Là où j'ai venu dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Là où s'est approché et dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. La première fois, l'ange s'est apparu. Il dit à Élie, lève-toi et mange. Élie a mangé et puis il recoucha encore.
La seconde fois, ange est venu. Oh, j'ai vite compris. La deuxième fois ou la seconde fois que ange était venu, ange voulait seulement booster Élie parce que Élie était dans le sommeil. Élie dormait. Il était abattu, mais ange voulait que Élie puisse conjuguer ces trois verbes. Verbe se lever, verbe manger et verbe marcher jusqu'à la rencontre de l'Éternel à Horeb. Ange était venu dire à Élie, lève-toi, ta mission n'est pas encore terminée. J'aimerais dire à une personne, ta mission n'est pas encore finie. Même si Jézabel a déclaré, même si les imprévus de la vie, même si tout ce que tu croises, ta mission n'est pas encore finie. On ne quittera pas cette terre de vivants dans l'humilité. Tant que Dieu est vivant, mon âme est vivante, je ne quitterai pas cette terre inaperçue. Ange est venu dire à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Élie, le chemin est long. Mange et bois, car le chemin est long. Mais la chose que Élie a fait, il a mangé. Il a bu et il continua sa marche. Avant tout, j'ai compris que Élie, la première tour, c'était les corbeaux qui venaient avec le pain et la viande. Deuxième tour, c'était la veuve de Sarepta. Mais laisse-moi te dire, si les corbeaux t'avaient nourri, c'est déjà passé. Ah, si la veuve t'avait nourri, c'est déjà passé. Maintenant, il n'est plus question du corbeau, il n'est plus question de la veuve, mais il est question de Dieu lui-même. J'aimerais dire à une personne qui est abattue, il est question de Dieu lui-même. Ah, il est question de Dieu lui-même te prendre en charge. Bah, tu vas en charge, bah, loba. Bah, tu vas en charge, bah, la qui s'amisapi. Question, car comment vous pouvez prendre Tika bango ba kende. Tika bango ba sundolayo. Le temps est venu où c'est Dieu lui-même qui va descendre pour te prendre en charge. Il n'est plus question d'une personne. Il n'est plus question de la veuve. Il n'est plus question du torrent. Parce que dans le torrent, ma ici la coque. Ah, corbeau, oh, y'a mais pour un temps. Oh, j'aimerais dire à une personne, veuve en lieu sur mes micolonies sauté. C'est pour un temps. Mais quand Dieu décide de te nourrir, c'est pour du bon. Quand Dieu décide de te faire du bien, c'est pour du bon. C'est pourquoi j'aimerais dire à un Élie qui est ici, n'abaisse pas les mains. Ne te fatigue pas. Dieu est là. J'aime toujours dire aux gens, Dieu peut être silencieux, mais il est présent. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Oh, Dieu peut être silencieux, mais il est présent. Toi, tu penses que mes prières ne sont pas écoutées à Dieu. Oh, Dieu écoute, mais Dieu attend le temps convenable. Et tu es censé de manger et de boire et de continuer. N'abaisse pas tes mains. Même si Jézabel a parlé, n'abaisse pas les mains. Même si Jézabel a déclaré, ah, il va couper ta tête. Toi, ne te fatigue pas. Atamakashi esilinga. Obateli papa te anzambe Yesu nonde na benga mi mosantu Kolo kolo lobiko ah Nayonde na benga mi mokitani anzambe na bomo Yema mosungiye mosungi na ngazali kosala Eli mosungi na yaza kosala. C'est pourquoi il a envoyé son ange pour te donner le gâteau, pour te donner le pain et une cruche d'eau. N'aie pas peur, ne te fatigue pas, car ton sauveur, car ton rédempteur, il vit et il va s'élever le dernier. Même les déclarations de Jézabel, tant que Dieu est là, l'histoire peut changer. L'histoire peut changer. Dieu peut modifier l'histoire. Oh, et bébé qui n'a débit. Dieu peut restaurer là où il n'y avait rien. Ah, la Bible dit, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ne te fatigue pas, Élie. N'aie pas peur de Jézabel. Ce n'est qu'une femme, mais celui qui est en toi est plus fort que Jézabel. C'est lui qui te garde, ne somnole ni ne dort. C'est lui qui veille sur toi. Oh, Allah la kate, Anima kate, son nom, c'est Yesu ne mon salibolamu. Élie n'est pas père.
Élie n'est pas père. Après avoir mangé, il s'éleva et continua la marche. Lorsqu'il a mangé, il a pris le courage. Il a continué sa marche. Il continue à marcher. Il continue à marcher. Il a fait 40 jours et 40 nuits dans les déserts. Mais les repas que Élie avait mangé, c'était les gâteaux et de l'eau. J'aimerais parler concernant cet aliment qu'il avait mangé dans deux volets. Le révérend Eric Bill nous avait béni. Il nous avait dit déjà concernant les gâteaux et de l'eau. Il avait dit l'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Le pain, c'est l'image de la parole. C'est bien de nourrir le corps. C'est bien de nourrir la chair. Car il faut que le corps puisse être en bonne santé. Mais c'est mieux de nourrir l'homme intérieur. C'est mieux de nourrir le vrai toi. Or, le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, c'est bien de manger, de nourrir le corps. Comme Élie avait mangé parce qu'il avait faim, il était fatigué. Mais c'est mieux de nourrir l'homme intérieur. Comment on va nourrir l'homme intérieur? C'est par rapport aux paroles de l'Éternel. Église de la Moisson, écoutez-moi. On va être une église puissante, une église bénie. Ce qui te vannit dans Maloba Zambé. La chose qui a fait la force de l'église primitive, c'est parce qu'il persévérait premièrement dans les enseignements des apôtres. Avant la fraction du pain, avant la communion fraternelle, avant les prières, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Tu es censé de nourrir l'homme intérieur par la parole de Dieu. Tu es censé de manger cette parole, de méditer cette parole, de vivre selon la parole. Or, celui qui vit selon la parole aura la récompense de la parole. Je me pose souvent des questions. Une personne me dit, j'aime Jésus, mais il n'aime pas la parole. Comment tu peux aimer Jésus et n'aimer pas sa parole? Or, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Comment tu ne peux pas aimer sa parole et aimer la propriétaire de la parole? Or, lorsque la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, on sous-entend que Dieu est parole égale 1. Comment tu ne peux pas aimer la propriétaire de la parole et aimer Yemoko Mokolo Likam? Il est censé d'aimer la parole, de nourrir la parole. Il y a plein de gens, vous venez à l'église, mais vous refusez d'écouter la parole. Bien aimé, la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu vas grandir si tu n'aimes pas la parole? Comment tu vas grandir si tu n'obéis pas à la parole? Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a même pas limité là. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment tu refuses d'écouter la parole? Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a les succès. Dans la parole, il y a la réussite. Aimer la parole. Méditer la parole. Vivre selon la parole. La parole te donnera tout ce que tu cherches. La chose qui a fait Ève à quoi, c'est parce que Ève, elle était ignorante. Or, l'ignorance tue. L'ignorance détruit. Oh, je le répète. L'ignorance tue et l'ignorance détruit. Comment Ève, elle était ignorante? Satan est venu. Il a dit à Ève, na yoka ke ben sebno boko lia mbuma weza na katikati ya jardin. Ève a dit oui, eza bongo. Alobi nzamba yebaki boroko maloko la ye yanga peki sabino. Or la Bible a dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 27e, Dieu est en train de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or lorsque Dieu parle, créons l'homme à notre image, on sous-entend que l'homme est l'image de Dieu, l'homme est Dieu. C'est ce que la Bible a dit dans Psaume 82, le verset 6e. Vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Ève a été séduite parce qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle était. Bien-aimé, on croyait, on a toujours au travers la parole. C'est pourquoi mettons nos deux pieds sur la parole. Acceptons d'écouter. Acceptons d'écouter la parole. Car ta parole changera ta vie. Ma prière, ce ne sont que des paroles de Dieu. Tu viens à l'église sans cahier, sans calepin, sans Bible. Comment tu vas grandir? Il y a plein d'églises. Les églises meurent parce que les églises commencent à avoir peur de la prophétie. Laisse-moi te dire, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Soyons fondés sur la parole. Soyons basés sur la parole. Méditons la parole de Dieu. Élie était censé de manger la parole. Oui, il a nourri le corps. Il est censé de nourrir l'esprit parce que le chemin était trop long pour lui. Il était censé de manger. Maman, mange la parole.
papa, mange la parole. Frère, mange la parole. Il n'est pas censé seulement de chercher l'onction, mais chercher aussi la connaissance. Il est censé d'apprendre la parole de Dieu. Aimer la parole. Méditer la parole. Vivre selon cette parole. Ce qui est écrit, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Pas seulement du pain. Pas seulement du pain, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Aimer la parole. En les temps qui viennent, il y aura des temps difficiles. Comme Timothée. Pendant que ce pas Paul. Pas tout le monde comme égoïste. Voici les temps favorables pour nous, l'Église. De vivre selon la parole. De cultiver cette vie, d'aimer la parole. Elle était censée de manger la parole. Pour que la parole ait pèsé ma casse. Pour que la parole ait réconforté. Et l'autre pèse à ma casse. Et ça, il y a le bas. Va en paix, que l'Éternel exauce ta prière. Cette parole, c'est une vie. Cette parole éclaire nos sentiers. Cette parole te fera un homme équilibré dans la vie, acceptant d'écouter la parole, car la connaissance va grandir en écoutant. J'aime toujours dire, la compréhension c'est égal à la foi. Or, lorsque j'écoute, la foi est en train de grandir. Lorsque la foi est en train de croître et de grandir, je vais avoir la compréhension de cette parole. Bien-aimé, papa, maman, acceptant d'écouter cette parole, quand tu écoutes, tu le mets en pratique, tu seras comme Josué. Tu auras du succès. Tu auras la réussite. Je suis venu simplement dire à une personne, méditons la parole de Dieu. Écoutons la parole comme Élie. Élie a mangé. Élie a bu. Après avoir mangé, il continue à la marche. Laisse-moi te dire, cette parole te donnera la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Cette parole te donnera la force. Ah, ici on parle d'Élie. Mais devant moi, je suis devant des papas, des mamans. Aimer la parole, méditer la parole. Tu peux aider tes enfants même au travers de la parole. Tu peux même aider tes frères, rien qu'au travers la parole. Tu peux rien avoir, mais si tu as la parole, tu prends cette parole, tu ajoutes au-delà de ta parole, au-delà de cette parole, l'intelligence, tu vas réussir à la vie. Celui qui a Jésus a l'intelligence. Lorsqu'il mélange les deux, il va exploser. Celui qui a Jésus, il prend Jésus, il met Jésus dans son travail, il va réussir dans sa vie. Aimer la parole. Pourquoi j'ai dit celui qui aime Jésus? Parce que Jésus est égal à la parole. Quand tu prends Jésus, tu le mélanges avec ton mariage, tu réussiras dans ton mariage. Rien que la parole. Rien que la parole. Et on m'a dit, Malobana yo ne koki kolimbisa bon moi mosumu kilo kolanga yo Malobana yo ne koki kozongisa mabeba sakola pe koma bolamwe Malobana yo ne koki opesatina na via moto pe mokili bakamwe Malobana yo ne koki kotombola moto tina saison na ye de gloire tango lobaka tango lobaka malobelo lokaka mutu na se e matisa mutu tango lobaka malobe sanza ka via moto. Pierre devant le boiteux, il n'a pas dit qu'il reçoit, mais il a communiqué, il a parlé, il a déclaré. Jésus lui-même, lorsque les tempêtes s'est levée, ah, la mer, le vent soufflait, il a dit tais-toi, à cause de la parole, tu vivras la réussite. À cause de la parole, les miracles vont se faire. Ce qui te vendit sa migraine dans le miracle, c'est seulement à te faire sans route. So ka to continue ko vanna na makolo ba toma ko yekola lilobana ebota ba miracle ebota ba prophétie ebota mabala ebota mabota. Je refuse de te dire reçois le mariage, mais je te dis reçois la parole, reçois la parole, aimons la parole, vivons selon la parole. L'ignorance est au poussé bisoto na ba fausse croyance. Par exemple, une personne pense que si je suis malade, ma finalité c'est la mort. Laisse-moi te dire, tu peux être malade, la finalité c'est pas seulement la mort, mais tu peux être guéri sans l'intervention du médicament ou des médecins, mais par une simple imposition de main, tu reçois la guérison. Oh, je vais le répéter. D'autres personnes pensent que si je suis malade, la finalité ce n'est pas la mort. Laisse-moi te dire, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Les médecins ne peuvent pas venir, les médicaments ne peuvent pas être là, mais par l'imposition de main, tu reçois le miracle, hein?
sans l'intervention du médicament ni du médecin. Les médecins disent que, la médecine dit, si une femme a atteint 40-45 ans, elle continue une période de ménopause. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Anne a reçu Isaac dans quel âge? À quel âge, dis-moi? À 90 ans, pour dire, le mot ménopause c'est pour le médecin, mais c'est pas pour Dieu. Ah, le mot maladie c'est pour le médecin, mais c'est pas pour Dieu. Et puis la Bible dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos os, il éloignera la maladie. Il n'a pas dit que tu ne tomberas pas malade. C'est tout à fait normal que tu tombes malade. Mais quand tu tombes malade, il a dit, il éloignera la maladie. C'est pourquoi, acceptons d'écouter la parole, méditons la parole. Il y a des bonnes choses qui sont écrites ici. Il y a de la vie au-dedans de ces Bibles. C'est pourquoi mon oya to loba to tera to tera o sansete o kambasa nzambe bandoki o ke baba ndokite yondo lingo tsali loba na misala te. Tu ne veux pas écrire quand tant que ton commerce ton zongi nanda to revoir à rango au revoir au tangaki. Une fois dans l'émission to salara, il y avait une prédication que maman Véro tient dans mon veine, les prix à payer pour la grandeur. Na tient mon émission pourquoi? J'avais écrit na sali recours na bakaye bien même makambo zokoma. L'apôtre ne peut pas être là. Ah, serviteur, tu peux servir mon quoi cause à la terre. Mais la parole que tu écris, ça peut te sauver, ça peut te défendre. Prenons le cas, Dieu te bénit aujourd'hui. Aucun font l'extension Libanda. Ce que Yébili Lobate. Ou soit, Yébili Lobote, il bat. Mais on a la connaissance à l'Ilobate. Est-ce qu'il faut baptiser Batona? Est-ce que Obéna apôtre sur place, il y a un avion, il y a baptisé Batona? Non. Tu vas baptiser ces gens-là. Pourquoi? Parce que tu les apprécies. C'est pourquoi, quand tu écoutes la parole, comme Suki Saka n'a pas raté, mais Tango n'a mis ça. Eli était censé de manger. L'ignorance est tue. Eli était censé de manger. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Après avoir mangé, Eli continua sa marche. Il commençait à marcher 40 jours et 40 nuits. Le révérend Kebile nous avait dit les chiffres 40 et ça chiffre est à la fin des preuves. Je viens aussi ajouter quelque chose. Les chiffres 7, c'est les chiffres du repos et de la perfection. Mais les chiffres 10, c'est les chiffres aussi de la perfection. Lorsqu'on parle de 40, on sous-entend que 10 fois 4, ça fait 40. Donc Élie, il était censé manger la parole pour qu'il puisse se perfectionner 4 fois. Or, lorsqu'il s'est perfectionné 4 fois, il avait cette capacité d'aller rendre Jéhi, Élisée et Azaël. Laisse-moi te dire, cette parole te permettra, il y a qu'on soit perfection, il y a qu'on soit capacité, il y a qu'on soit coquille en continu marche, mais il y a qu'on accomplir une mission. D'aller accomplir la mission. Et il a mangé. Il commençait à marcher dans le désert. Or, le désert pour Élie, c'était le lieu du recueillement des forces, du recueillement des puissances, du recueillement des stratégies. Pour comment il peut aller vendre. Papa, tu as une mission. Maman, vous avez une mission. La mission que vous avez reçue, c'est de la part de Dieu. Or, lorsque Dieu donne à une personne une mission, Dieu accompagne la personne. Quand Dieu, il te propose, il te donne une mission à faire, il sera toujours à côté de toi. Il va t'accompagner jusqu'à ce que tu puisses terminer cette mission. La Bible dit, il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, mais il est un Dieu des œuvres achevées. Si Dieu commence, attends-moi. Pendant que Elias va prendre mon âme, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Dieu lui a dit, tu as la capacité de marcher. Voici le pain, voici le Christ et l'eau. Bois, mange et continue à marcher. Élisée t'attend. Ah, Élisée cause à la moi dans la yo. J'ai à cause de la Nekonayo. Na famille, on a la mission qu'on joue. Na église, on a la mission qu'on joue. Na Mboka Congo, on a la mission qu'on sale. Mais Dieu te vient t'encourager. Il vient te donner sa parole. Il vient te donner l'oeil et l'image de l'esprit pour que tu puisses avoir la capacité de marcher. Il est venu te dire mange et bois. Pourquoi je parle? Cache-toi pour être exposé. Quand tu te caches, Dieu va commencer à te donner ma camboué singeli. Dieu va commencer à te combler, à t'équiper, à te charger, à déposer en toi. Or, bâton yon son zamba ou bomba. Baloka bâton ban an akwa potier. Tant en formé, tant en tion en mokili, ou impacté. Laisse-moi te dire, accepte de te cacher.
accepte de te cacher. Bientôt, la Dieu veut t'exposer. Le temps de l'exposition n'a qu'au quitter parce que tu n'as pas pu encore marcher pendant 40 jours. Tant que les 40 jours finira, tu seras exposé pour aller faire le travail. Dans la cache-toi, il y a tout. Une personne sans référence. Un bon matin devient les gens. Non, mais ça n'a pas raté. Accepte-toi, banana noté. Accepte de te cacher. Le temps de l'exposition viendra. J'ai vite compris pourquoi Jésus faisait des courtes prières en public. Parce que la Bible dit, Jésus passait toute la nuit dans la prière. Toute une nuit dans la prière. Oh, Moutabon, on soit à le bossabat. Il faut un miracle salement. C'est pourquoi le secret de la réussite d'une personne, c'est dans le coucou, dans la cachette, là-bas dans le cache-toi. Dieu va t'exposer ce qu'a silicie conformé. S'il a terminé de te donner la forme, de te donner l'essence, de te valoriser, c'est alors il va t'exposer. Il m'a appelé, j'ai laissé. Likaboye zopela, katinanga. Et lui peut likaboye bande kopela. En likaboye zopela, mais reste là. Accepte de te cacher. Dieu va t'exposer avec le temps. Oui, tu as une mission, mais Dieu te dit, cache-toi. Dieu te dit, cache-toi. Les temps qui viennent, c'est le temps de l'exposition, mais pas aujourd'hui. Cache-toi d'abord. Cache-toi d'abord. Quand tu écoutes Dieu et puis tu fais ce que Dieu te dit, tu auras de la réussite, rien qu'en obéissant à la voix de Dieu. Likaboye zopela katinanga. Pamituni ponani ni ezo umela papa ya kolobe zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Ya kolobe zebele, mais occasion pour s'exprimer. Zate, Dieu te dit, laisse-moi le temps. Je vais te former. Je vais mettre encore des faits dans ta bouche. Je vais te façonner. Lorsque tu vas te mettre devant les gens, les gens Marozala étonnés par rapport aux choses que tu as eues. Là-bas, il y a tout. Il dit, Bombanae, ici j'ai le secret de la réussite en toutes les choses. Bombanae, ici en prière. Oh, Alobi, casse-toi. Bombanae, nakola kisayo denge ninyokotosa. Bombanae, avant d'être exposé. Accepte Yakomi Bomba, na présence en Nzambe. Batonyo son Nzambe Bomba, tant albini sabango, bazala bato bakamu samokili. Accepte de te cacher. Ah, autant voilà dans le désert jusqu'à la rencontre de l'Éternel à Horeb. Mais tant que le temps n'est pas encore arrivé, accepte de marcher dans le désert. Accepte de te cacher. Accepte de continuer la marche. Moi, je me croyais, si je ne peux pas marcher, je vais ramper. Si je ne veux pas ramper, je vais courir. Si je ne veux pas courir, je vais voler. Mais rien ne m'empêchera d'atteindre ma ligne d'arrivée. N'a péki si mouton te mission en Dieu là. N'a déclaré sur l'onction de mon père. N'a péki si mouton te mission en Dieu là. Ah, au kokende, au kokoma na orab, au koutani na nzambe, au zima fouta, au kekouandre lise. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Comme tu le crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Accepte de te cacher. Rien ne va t'empêcher. Rien ne t'empêchera. Ah, n'a pas quoi dans le mariage. Personne ne va t'empêcher. Mais accepte de te cacher. Ah, n'a pas quoi dans le moussala. Personne ne va s'opposer contre toi. Mais accepte de te cacher. Accepte de marcher avec Dieu. Accepte de marcher avec Dieu. Akola kison de gani na rotambola. Alors l'action de nos tambours, alors la question de nos singes au sol, Elisa Zozelayo, Jéhi Zozelayo, Azaël Zozelayo, mais tu ne peux pas aller le vendre. Ce que je ma stratégie pas nous embêter. Azan Zamba ma stratégie. Avec Samuel, j'ai rejeté Saül. N'a ligné sous ta reine le colon peuple nanga. Qu'est né la famille à Isaïe. J'ai vu une personne que moi j'ai choisi. Écoutez la réponse du prophète. Comment je peux aller? Saoul l'apprendra et me tuera. Il lui dit, tu vas dire au peuple là, l'Éternel m'a envoyé d'offrir
on zamba pesi prophète stratégie prophète a salu pesimbi ya ngomwe na lobi na mutu moko accepte de te cacher. Accepte de te cacher. Il a les stratégies à te donner. Il a des méthodes à te donner pour vaincre Goliath. J'aimerais dire à une personne, à un Samson, n'aie pas peur du lion. En toi, tu as la personne qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. J'aimerais dire à une Anne ici, n'aie pas peur du Pénin. Oh, Pénin avait des enfants, Anne n'avait pas des enfants. Mais lorsque Anne a eu un enfant, l'enfant de Anne a englouti tout enfant de Pénin. J'aimerais dire à une personne, le temps de l'exposition viendra. Tu vas avoir un fils, oh, qui va dépasser le fils de Pénin. Oh, tu vas avoir un fils qui ne va pas être comme le fils de Pénin. Oui, il avait des enfants et Anne aussi avait un enfant. Mais Samuel a marqué son histoire. La Bible a dit aucune de ses paroles quoi ne m'a belé sans que kokisama. Pour dire et loko bazora na lo sambo. Babomba ngopeka na lo sambo. Et loko uta na lo sambo et ou melaka. Et loko uta na lo sambo et yaka na pas cité. Bible lobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et de se fait suivre de quoi? Ah, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, mais accepte de te cacher. Ne dis pas que je sais prêcher. Ne dis pas que je sais chanter. Oui, tu chantes, mais quelque chose te manque. Oui, tu prêches, mais quelque chose te manque. Oui, tu es belle, mais quelque chose te manque. Oui, j'ai l'intelligence, mais quelque chose te manque. Oui, j'ai des relations, il y a quelque chose qui te manque. Tu vas les prendre en cache-toi. Tu vas les recevoir dans la présence de Dieu. Si Moïse, à cause de demeurer 40 jours et 40 nuits, a joué natir en Zambe, c'est possible que tu puisses prendre la nature de Dieu lorsque tu te caches. Soro mi bo mi Zambe, salon Zambe, li bo sa banguna na yo. Soro mi bo mi Zambe, salon Zambe, li bo sa maramokuta na yo. Nanzela on Zambe, na yo bisa Eli, le chemin long. C'était le chemin des rencontres de l'Éternel. Oh, la chemin de la foi chrétienne. Il y a des choses qui nous arrivent, des imprévus, la chose que tu n'as même pas pensé. Mais pour que tu puisses être équilibré, pour que tu puisses avoir de la force de surmonter cela, accepte de te cacher. Que Dieu a équipé yo, Zamba capacité yo, Zamba équilibré yo. Tant au tel maliboso lion, au désiré mon encore. Tant au tel maliboso Goliath, au Yévisaïe, je suis venu devant toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je prendrai ta tête. Je donnerai ça aux gens. Aïe. Accepte de te cacher. Accepte de demeurer dans la présence de Dieu. Il fait beau vivre dans sa présence. Il fait beau vivre. Tu vas être équipé rien que dans sa présence. Tu vas être équipé. Je vis les géants s'élever. Hein, et les grands héros tombés. Poba paka misusu. Yo bunganzela te posa présence en Nzambe. Ceux qui vont babung yo bungate. Ah, je répète encore au bungate. Tu ne vas pas te perdre en coup de route. Tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas trébicher. Tu ne vas pas égarer parce que l'Éternel marche avec toi. Moto no son Nzambe tambola na longa. Accepte de te cacher. Accepte de te cacher. S'élever. Et les grands héros tombés. Poba paka misusu. Babu Ginzila. Accepte de te cacher. Oh, ils ont vu en moi ta gloire. Oh, ils veulent faire de moi un roi. Ne sois pas pressé. Passe à la au roi. Mais accepte de demeurer. La présence en Nzambe. Ce qui va te passer le roi, ça pour un temps. Mais en Nzambe, ça dire. En Nzambe, vendi samaka. Accepte d'être fondé sur la fondation qui est Jésus-Christ. Or, la fondation qui est Jésus-Christ ne peut pas ébranler. La fondation des gens, lorsque le vent soufflera, ça va écouler. Mais la fondation Jésus-Christ est concoulée. Et concoué à te. Et tu cali ferme. Et tu cali ferme. Accepte de te cacher. Accepte de te cacher. Le temps est venu où la moisson va exposer les gens que Dieu a préparés en coucou. Le temps est venu
où nous allons travailler, nous allons donner le meilleur de nous. Mais avant tout, acceptons d'abord de se cacher. Zamana maramboli nga loba, mais aux en dehors de sa présence. Lorsqu'il est venu dans le jardin, quand Ève et Adam ont péché, il a posé la question, où es-tu? Ce soir, Dieu te demande, où es-tu? Où es-tu ce soir? Où es-tu? Dieu veut te parler. Dieu veut tes capacités pour accomplir la mission. Mais où es-tu? Où es-tu? Dieu m'avait recommandé ce soir de prier pour toute personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et puis de prier pour toute personne qui a trévissé dans son parcours avec Dieu. Et puis de prier pour toute personne qui est malade, même quand tu tombes malade chaque fois. Où es-tu? Accepte de te cacher. Oh là, qui sont ma secret, Seigneur. Moi, ma vie, il est ma stratégie secrète. Il est notre stratégie. Tout ce que nous allons voir, tout ce que nous pouvons voir, ça va disperser. Mais accepte d'avoir Jésus comme la priorité. Accepte de te cacher dans sa présence. J'aimerais dire une chose par rapport aux femmes. Ne dis pas que Dieu ne fait pas. C'était une chose, j'ai médité sur ça. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes dans la mention. Excusez-moi, il faut que je puisse le dire à l'église. D'autres sœurs, vous pensez que vous prenez le mariage comme la priorité. Ne fais pas du mariage ta priorité, car ça deviendra l'idolâtrie. Mais prends Jésus comme la priorité. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait que tu vas te marier, mais ne fais pas du mariage ta priorité. D'autres femmes pensent que si je vis sans le mariage, je suis malheureuse. Tu n'es pas malheureuse. Dieu est au contrôle de tout. Au moyen de Malobi, Dieu est en dehors du temps et puis il est le maître des temps, celui qui a institué même le temps. Et ça ne dit pas que tu attends à des fois. Mais Dieu a ta tabanakate, a ta pakakote. Le temps viendra, tu vas t'épouser. Mais la chose à faire, ne fais pas le mariage ta priorité. Prends le mariage, mets ça à côté. Fais de Jésus ta priorité. Prends Jésus, place Jésus au centre de ton cœur. Prends Jésus, mets Jésus au centre de ta vie. En retour, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne fais pas du travail ta priorité. Ne fais pas de ton argent ta priorité. Mais fais de Jésus ta priorité. Il te donnera ce que tu cherches. J'espère que j'ai conseillé une personne. En apesitoli, accepte de te cacher. Accepte de te cacher. Azawana simbo la loboko. Atambola na yo. Ponzeleza molayi. Zeleza molayi. Maintenant au comité. Le quoi azali. Elike zali. Le quoi yeso aza. To tambola naye. Atana démarche à caméléon. To koma. Atana démarche à caméléon. To kokoma. Sorotali histoire. Ah, Elie a commencé na souka, accompli une mission naïe. J'ai prié au nom de Dieu de mon Père que tu finiras avec gloire. Ah, que tu finiras avec succès. Ah, tu finiras avec réussite. Je le déclare, tu finiras avec la joie. Tu finiras en succès. Avec Dieu, il est question d'aller de gloire en gloire. Avec Dieu, il est question de toucher le sommet. Les bergers avaient dit ça lundi. À la fin, Élie a été enlevé. Mais il n'a pas vu la mort. J'aimerais te dire, Dieu te levera. Dieu te fera monter. Il te placera très haut. Mais avant tout, accepte de te cacher et de marcher avec lui. Accepte de te cacher. Le temps viendra, Dieu va t'exposer. Mais ne sois pas pressé. Reste là. Élie, après avoir recueilli la force, après avoir recueilli la puissance, il a continué à Horeb. Il s'est apparu devant Jéhi. À oindre Jéhi comme roi, à oindre Azaël comme roi, à oindre Élisée comme prophète. C'est pourquoi Élisée a continué son parcours. Si me regarde une personne, bateau ou oindre, bâtir alors succéder. Il y a un adage français qui dit, il n'y a pas de succès sans successeur.
accepte ozwa makasi pa nzambe pour wendre bato bana sima na yo pour après yo batika la poursuivre mon sala yango mona papa azo exposer biso azo tsabiso to tea pour être lobby lobby biso peto za bato to encadrer misusu ce qui va ministre baza va pesa biso batoli c'est pour notre bien. Accepte oyo katoli, accepte à des fois fimou, accepte à des fois maloba papa et sala yo pour que lobby o suki sa na gloire comme Eli o suki sa na kembo comme Eli. Le temps viendra. Aujourd'hui la détresse, la solitude et l'angoisse, les eaux consumées par le stress, le jour de la souffrance, mes yeux fixés sur la promesse qui s'accomplira par sa grâce. Ça finira par marcher, ça finira par arriver. Je crois, ça finira par aller. Je crois, ça finira par marcher. Je crois que cela est que salama. Mais accepte de te cacher. Je suis à la fin. Accepte de te cacher. Et après avoir se caché, il a été exposé. Osakatoz on m'a fouta pour l'église. Oui, osons peut pour l'église, osons peut pour ta famille, pour ton travail, en pour la carrière na yo, pour toute ta vie. Or l'onction est une capacité surnaturelle. Quand une personne a reçu cette onction, a la capacité de commander même à la nature. Dieu veut que tu te caches. Lui-même, il sait les jours où il va t'exposer. Le temps, c'est le temps de l'exposition. Mais avant que tu sois exposé, accepte de te cacher, car l'Éternel ne mentira pas. La parole de Dieu ne mentira pas. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, et zongakate sans que ça l'avait fait. J'aimerais dire à une personne, si tu vas méditer cette parole, si tu vas accepter de te cacher, Dieu va t'amener loin. Dieu te donnera ce que tu cherches. Dieu va te combler. Dieu fera de toi une personne exceptionnelle, extraordinaire, en une seule condition. Si tu médites cette parole et si tu le mets en pratique, Dieu ne manquera pas de te bénir. Que l'Éternel bénisse sa parole de ce soir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais faire à la